Yo les potes, c'est ce qu'on se trouve pour le deuxième défi de Deadpool. Vous allez devoir former une sorte d'arc-en-ciel, je crois, en visitant tous les ponts. Donc voilà le premier juste ici, hop, le pont jaune, je vous le montre sur la carte, ici à droite de Missy Meadow, hop, juste là. N'hésitez pas à faire pause. Hop, je vais essayer de prendre un bateau, j'espère qu'il y en a. Ok. On se dirige au deuxième. Je vous conseille la Fort d'Empoigne, les gars. Fort d'Empoigne, c'est très bien. Ou sinon, je vous conseille même la solo. Vous allez en solo, les gars, vous prenez un hélicoptère. Ça devrait être super simple. J'ai préféré quand même y aller en Fort d'Empoigne. Hop. On va se diriger au deuxième. Et en fonction de la zone de la Fort d'Empoigne, les gars, vous pouvez aller à l'opposé. Donc moi, c'est pour ça que je suis allé à lui en premier. Comme ça, après, il y a la zone. Donc c'est parti, il n'y aura pas de coupure. Il n'y aura pas de coupure, je vous montre bien comment faire. Hop. On est bientôt arrivé au deuxième. C'est plus très loin. J'espère que ça passe par l'eau. Normalement, ça passe par l'eau. Comme ça, on reste dans le bateau, ce sera plus simple. Il me faudrait aussi du soin peut-être. Le deuxième juste là les gars, vous le voyez, le violet. Hop, je vous montre le point sur la carte, au-dessus de Slurpee Swamp, juste là. Oh, il y avait une pièce XP. Ok, je l'ai récupéré. Hop, on continue. Pam pam pam. Quand je vous montre sur la map, quand je vous montre sur la map, n'hésitez pas à faire pause. Et aussi, n'hésitez pas à faire le même trajet que moi, il est très sympa. Hop, on continue. Je vous remontrerai peut-être, je vous remontrerai tous les emplacements à la fin, je pense. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir tous les emplacements. Pendant ce temps-là, on discute tranquillement. Hop. Ce qui est bien, c'est que comme c'est des ponts, ils sont au-dessus de l'eau. Donc vous pouvez tous les faire en passant par l'eau. Donc c'est pour ça que moi je vous montre une des meilleures techniques. Au lieu de quitter les gars à chaque fois, etc. C'est chiant. Bon, ça va être long, je pense, malheureusement. Ça fait déjà 2 ou 3 minutes, mais bon. C'est la vie. On continue avec le troisième pont, juste là. On va vous le montrer, je vais vous le montrer. Au milieu de Pleasant et Salty Spring, juste là. Ok, il me semble qu'il faut faire demi-tour. Et pour info, même pas besoin de passer au-dessus, les gars. Vous passez avec le bateau en dessous, c'est parfait. Hop. C'est parti. Ça va être par là-bas, le quatrième, pardon. Si vous le faites assez rapidement, en plus, vous verrez, il y a plein de constructions en l'air parce que les gens veulent y aller. Donc voilà, regarde, là on voit où est-ce que c'est. Le dernier va être un peu compliqué, malheureusement. J'espère que ça va être jouable. Voilà le quatrième, à droite de Pleasant Park, juste là. Demi-tour. Je vais mettre un point sur la carte pour le dernier, je pense. Attends. Ah ouais, il va être chaud lui. Il va être compliqué, on va essayer. J'aurais peut-être pas dû aller celui de Salty Spring. Celui de Salty Spring, j'aurais peut-être dû le faire en dernier, vu qu'il était dans la zone. Après, les gars, faut que vous fassiez en fonction de vous, où est-ce que la zone elle est. Je vais essayer de trouver un kit de soins. Si je vois un kit, je m'arrête. Non, il n'y en aura pas. Normalement, ça devrait le faire. En tout cas, même si ça, si jamais je meurs, vous voyez où il est. Je vais vous montrer après. Il me reste 40 secondes pour pas prendre double dégâts de chute. Normalement, c'est bon, ok.
Hop, let's go. Et donc voilà le dernier. Juste là. Vous voyez les gars, vous prenez un bateau ou un avion, un hélicoptère, et ça se fait très facilement. Du coup voilà, j'ai réussi. Je vous remonte vite fait sur la carte. Donc lui, il est en bas à droite de Frenzy. Hop, il y a deux ponts, c'est celui-là. Ensuite, ici, à droite de Misty Meadow. Au-dessus de Slurp et en dessous de Weeping. Au milieu de Pleasant et de Salty. Et à droite de Pleasant. On va récupérer la récompense. La récompense de Deadpool. C'est parti. Je sais ce que c'est vu qu'on le voit maintenant. Ils ont un petit peu changé l'interface, donc c'est assez sympa. D'ailleurs, il y a un petit calendrier au-dessus du truc de Deadpool pour voir quand le skin sort. Et donc voilà, c'était un écran de chargement. Donc voilà, c'est un peu nul, mais bon, c'est. En vrai, il est beau. Donc ceux qui utilisent les écrans de chargement, vous êtes contents parce qu'il est vraiment beau. Il est vraiment beau, mais sinon moi je suis en aléatoire parce que je m'en fiche. Donc en tout cas, voilà les gars. Hop, j'espère que cette petite vidéo de défi vous aura plu. Elle aura duré 6 minutes, mais au moins vous voyez que c'est possible. Donc voilà, là il y a un calendrier, vous pouvez cliquer dessus, ça va vous montrer quand le skin va sortir. Et donc voilà la nouvelle interface où on voit les récompenses. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On voit même la date maintenant. Ils ont bien géré. Sur ce, les gars, likez, abonnez-vous, code Créateur NSQ. Et si vous voulez me faire un cadeau dans la boutique, je serai extrêmement content parce que j'en ai jamais eu. À part par des potes, évidemment. Allez, ciao!